Yo tout le monde, ici Mighty Fake Tutorials et aujourd'hui je te présente 4 astuces et secrets WhatsApp à absolument connaître en 2019. Sur ce, c'est parti, générique. Ok, donc on commence tout de suite avec la première astuce qui concerne la personnalisation de ces images via la boîte à outils de WhatsApp. Donc on va faire quoi? On va sélectionner une image et on va essayer de l'envoyer. Mais avant que tu ne me dises « Ouais, ça c'est une astuce que je connais déjà, tout le monde connaît même ça, on s'en fout. » Eh bien, il faut savoir que ce que je vais te montrer ici, c'est justement ce que tu ne sais pas à propos de tous ces outils. Donc, on va commencer par essayer de changer la couleur d'un emoji. Voilà, par exemple, cet emoji-ci, il ne va pas garder sa couleur d'origine vu que je vais le mettre en blanc. En essayant de parcourir la jauge de couleur qui est à droite. Donc on va le mettre en blanc, là, ok. Ça, c'est pour le changement de couleur des emojis. Ensuite, pour le texte, ce que vous ne saviez certainement pas, c'est qu'on peut modifier sa police. Donc là, je vais écrire Youpi. Youpi, je vais changer sa couleur, je vais le mettre en noir, là. Et ce que je vais faire, c'est que sur la même jauge où je suis en train de changer la couleur, je vais, au lieu de faire glisser mon doigt vers le haut ou vers le bas, je vais le faire vers la gauche. Voilà. Je le fais vers la gauche et là, vous remarquez quoi? Vous remarquez que la police, en effet, change. Que ce soit vers la gauche ou vers la droite, la police, en effet, va changer. Voilà, donc moi, je vais mettre la police. Voilà, cette police-ci, elle est plutôt cool. Ensuite, pour le pinceau, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que sur WhatsApp, lorsque tu choisis le pinceau, il a une taille de base. Il a une taille de base. Là, voici qu'on va tester là, en dessinant ce cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est changer la taille du pinceau. Et je vais faire comme précédemment avec le texte. C'est-à-dire que je vais faire glisser mon doigt au niveau de la jauge de couleur, vers la gauche ou vers la droite. Et là, vous voyez directement en haut à droite que la taille du pinceau change. Donc je vais prendre une petite taille ici et dessiner à nouveau mon cœur pour que vous voyez tout de suite la différence. Ok, là je vais envoyer mon image et il faudrait savoir que cette astuce vous permettra de créer vos mèmes et comme je l'ai dit au départ, de personnaliser au maximum vos images sans avoir besoin de passer par une petite application ou un petit logiciel externe. Donc c'est tout pour cette astuce. On enchaîne directement avec la deuxième astuce que je vais vous présenter après vous avoir donné 3 de ces avantages. Le premier avantage, écrire un message à n'importe qui sans avoir à enregistrer son contact dans votre téléphone ou autre part. Le deuxième avantage qui est plutôt un fait et un fait plutôt drôle mais en fait, c'est que vous pourrez vous écrire à vous-même. C'est-à-dire que vous pourrez écrire des messages à votre propre boîte WhatsApp privée, messagerie privée en gros. Et la troisième astuce, c'est simplement si vous êtes habitué à faire des business, des affaires sur WhatsApp et donc à publier un peu partout vos contacts et vos activités. Avec ceci, vos clients n'auront plus besoin de passer par la copie du numéro, l'enregistrement dans leur téléphone, puis la recherche avant de vous contacter directement. Ce qu'ils pourront faire, c'est juste passer par ce lien et d'un coup atterrir dans votre boîte privée pour que vous puissiez entretenir votre conversation. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire le terme clé ou les termes clés http://wa.me/ le numéro du destinataire, le numéro de l'émetteur, peu importe, ça dépend de la cible que vous voulez atteindre. Et pour écrire le numéro, bien sûr, ce qu'il faut, c'est commencer par inscrire l'identifiant de son pays. Par exemple, moi, je suis au Cameroun, donc je vais mettre +237 et ajouter mon numéro. 52, 67, 60. Donc, avec ce petit code, tous ceux qui cliqueront sur ce lien se retrouveront directement dans ma boîte privée. Et je vais donc le tester maintenant en appuyant sur le lien. Oui, on sélectionne WhatsApp. Et là, nous sommes dans ma propre boîte privée dont je suis en train de m'écrire des messages directement. Voilà, j'avais mis un Yo Mighty Fake, je vais encore mettre un Yo.
Là, vous pourrez remarquer que la double checkmark apparaît directement, même si j'avais bloqué cette checkmark. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être un bug, peut-être WhatsApp n'avait pas prévu ça, je sais pas. Donc, je le rappelle encore, avec cette astuce, vous pourrez partager votre boîte privée à absolument tout le monde. Utile pour vos business, utile pour ne pas avoir enregistré un numéro dans votre téléphone, et je vous laisse trouver les autres tuyaux. La troisième astuce concerne les gestes d'accès rapide, qui sont quelques mouvements qui vous permettront vraiment de faciliter votre vie quotidienne sur WhatsApp. Donc le premier geste vous permettra de répondre à un message en indexant directement l'émetteur. Donc ce que je vais faire, c'est choisir le message de ZZ par exemple, de maintenir mon doigt appuyé dessus et de faire voilà, un cliquer-glisser vers la droite. Voilà, là j'ai trop maintenu, donc ça ne va pas faire le clic glisser. L'idéal, c'est de le faire pendant une fraction de seconde et de glisser directement vers la droite. Donc comme ceci, là. Et comme ça, je peux répondre directement au message de ZZ. Ok. Lorsque tu veux enregistrer une note vocale, tu es obligé de maintenir ton doigt appuyé sur l'icône d'enregistrement. Donc en faisant appuyer, puis glisser vers le haut, tu pourras enregistrer ta note vocale sans avoir besoin encore de maintenir ton doigt appuyé sur ce bouton. Donc ça peut être pratique pour ceux qui veulent faire de longues VN, vous savez tout le reste. C'était une petite astuce qui pourrait vous faciliter 2-3 échanges, on ne sait jamais. Et donc on va passer à la quatrième astuce qui ressemble fortement à la première, sauf qu'ici il s'agit de le faire au niveau des statuts. Mais en plus des petits secrets qu'on a vu au niveau de la première astuce, je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, est-ce que vous saviez que WhatsApp disposait d'émojis interactifs, d'émojis dynamiques, c'est-à-dire d'émojis qui s'adaptent aux informations de l'utilisateur? Si vous ne le savez pas, alors je vous laisse découvrir d'abord l'émoji de localisation. Donc vous allez choisir cet émoji. Et une fois que c'est fait, comme vous le voyez là, WhatsApp va essayer d'interroger la carte Google pour recueillir votre emplacement. Et une fois que c'est fait, vous allez juste cliquer sur « Choisissez votre localisation ». Et là, sur votre statut, vous pourrez indiquer aux concernés que vous êtes à Yaoundé. C'est la même chose avec l'icône de l'heure qui va relever l'heure directement. Il est bien 14h49. En plus de ça, vous pouvez la toucher les deux zip pour qu'elle change de forme. Voilà. On va ajouter un petit emoji pour la fin. Là, main blanc comme vous l'avez vu précédemment. Et c'est cool. Donc vous pourrez jumeler ce savoir à celui apporté par la première astuce pour rendre vos statuts et aussi vos images beaucoup plus attrayants. On achève ce tutoriel. C'était Mightyfic. Et avant qu'on ne se sépare, je vais vous présenter un truc plutôt cool. Dans les deux premières astuces, je discutais avec Wage. Et bien, Wage, c'est quoi? C'est un service de promotion de contenu sur WhatsApp. Et bien, Wage, c'est une équipe de personnes disposant de centaines et de centaines de groupes WhatsApp dans lesquels elles pourront diffuser vos annonces, vos publicités, vos demandes, bref, tout ce que tu veux en échange d'une faible rémunération. Donc, le numéro de Wade sera directement attaché dans la description pour que vous puissiez le rejoindre. Et dites-lui juste que vous venez de la part de Mightyfic pour qu'il vous fasse une petite réduction. Donc ça, bien sûr, c'est pour les annonceurs, pour ceux qui font des petites affaires et qui ont besoin de toucher la grande majorité des utilisateurs WhatsApp. Donc voilà, là c'est tout pour le petit bonus que je vous réservais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si et seulement si vous appréciez ce genre de vidéos. Bien sûr, vous pouvez aller sur la chaîne et consulter tout ce qu'on fait. Ça relève de beaucoup de vidéos qui vous permettront certainement d'améliorer votre vie sur Internet. Donc, ciao!